Bonjour, avant de commencer cette présentation, j'aimerais bien vous souhaiter une bonne année universitaire. Avant de commencer aussi, je vous rappelle que ce cours sera assuré par moi-même, Mohamed Ali Nahali, votre tuteur du cours de la microéconomie, et par Madame Fethen Mziou ainsi que Madame Rim Hargam. Ce cours de microéconomie comporte 5 chapitres exactement. On commence par une introduction générale, puis nous allons faire un premier chapitre qui est intitulé Le marché. Le deuxième chapitre est intitulé Le comportement du consommateur. Un troisième chapitre qui traitera de la fonction de la demande. Puis un quatrième chapitre qui comporte le comportement du producteur à court terme. Puis en dernier moment, nous allons traiter la fonction de production à long terme. Donc, ce cours de microéconomie sera disponible et comporte en plus du cours 3 séries de TD. Chaque série de TD comporte un certain nombre d'exercices. Et vous voyez que vous avez ici un planning détaillé des différentes périodes qui vont couvrir en fait la totalité du programme. Je vous rappelle aussi que vous allez passer 2 DS en ligne. Les DS commenceront ou bien seront au niveau de la période de la semaine du 16 novembre pour le premier DS et la semaine du 14-12 pour le deuxième DS. Pour le cours comporte un support de cours. Le support de cours, en fait, ce sont des supports qui peuvent être en format PDF ou bien en format HTML. Des exercices corrigés. Chaque chapitre sera accompagné par des exercices corrigés. Des séries de TD. Il s'agit exactement de 3 séries de TD qui vont être notées. Des vidéos. Vous allez avoir toute une chaîne YouTube qui est à votre disposition, qui comportera la totalité des vidéos qui vont être développées pour l'occasion, ou bien qui ont été déjà développées lors des années antérieures. Le cours comporte des forums de discussion. Ce sont les lieux où vous pouvez déposer vos questions pour avoir des réponses ou bien pour avoir des explications de vos tuteurs. Les séances de visioconférence ont été déjà programmées. Vous voyez devant vous les séances qui concernent le groupe LCG11. C'est le groupe que je vais encadrer. Donc les séances vont commencer le 11 octobre, puis nous allons avoir une deuxième séance le 25 octobre, une troisième séance le 6 décembre et une quatrième et dernière séance le 3 janvier. L'outil de communication unique, c'est les forums. Donc, vous allez trouver à chaque fois un forum où vous pouvez déposer vos questions. Donc, vous n'avez qu'à poser vos questions ici et le tuteur et les tutrices s'en chargeront de vous répondre dans un délai ouvrable de 48 heures. Pour l'évaluation portera sur 2 DS en ligne qui sont sous forme d'examen. Vous allez être aussi amené à faire des TD et que ces TD seront aussi notés. Vous allez avoir une note sur les TD qui est la moyenne des notes des différentes séries. Un examen final qui va être à la fin du dernier, à la fin du semestre, évidemment. Voilà, c'est la fin de cette présentation. Je vous souhaite une bonne année universitaire. N'hésitez jamais à poser vos questions et dès maintenant, vous pouvez commencer à aller sur la plateforme pour commencer votre cours. Merci.